Bonjour, enfin plutôt bonsoir, c'est Émilie Lavoisier et en fait il est 23h05 et je voulais faire cette vidéo parce que je sais que parfois il est difficile de travailler quand on a déjà eu une journée de travail et qu'il est tard le soir, qu'on a mangé, qu'on s'est occupé de ses enfants. Alors je n'ai pas d'enfants mais je peux facilement imaginer ce que c'est que de dire bon il est 21h, je suis crevée. Mais il faut quand même que je travaille sur mon activité, sur mon entreprise perso. Alors, qu'est-ce qui fait que oui, on va faire une autre vidéo, on va faire un autre article? Déjà, c'est le simple fait de savoir que ce qui compte dans la réussite, dans le marketing de réseau sur Internet ou pas, et dans la réussite en général, dans la réussite de la création d'une entreprise, dans la réussite d'un projet, c'est la régularité. C'est le fait de faire des simples tâches tous les jours de manière régulière, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Ça peut être de dire, bon, je vais lire un livre de développement personnel tous les mois, ou je vais en lire un toutes les semaines. Après, vous décidez du temps que vous accordez à votre activité. Vous pouvez dire, je vais travailler au moins 2 heures par jour à mon activité, ou je vais n'y vais travailler qu'une heure par jour. Tout dépend de vos disponibilités. Mais ensuite, il faut vous y tenir, parce que c'est la régularité, c'est le fait de le faire tous les jours qui compte. Et des fois on peut se dire oui mais aujourd'hui je ne l'ai pas fait mais j'étais vraiment fatiguée, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais dans la réalité ce qui se passe c'est que ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et vraiment je tiens à insister sur la régularité et cette vidéo je l'ai faite exprès à cet horaire tardif pour vous montrer que ben oui, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est de dire je vais faire une vidéo de plus, ou je vais encore écrire un article. Il est 23h, j'irai bien me coucher, oui j'irai bien me coucher. Mais une demi-heure de plus de travail accumulée sur une semaine, ça fait une énorme différence. Ça fait plus de 3 heures de travail. Et donc j'espère que vous retiendrez que la régularité est la clé. Et je vous invite pour ça à lire The Slack Edge de Jeff Olson, qui est vraiment un très bon livre et qui vous explique justement en quoi sont ces petites étapes et ces petites choses, ces petits choix qu'on fait qui semblent absolument pas importants aujourd'hui, mais qui feront toute la différence. Et en fait, quand on voit les résultats, c'est souvent des résultats de nombreuses actions, souvent petites, qui ont été faites au préalable. Et si le résultat ne nous plaît pas, il est souvent trop tard pour le changer. Et donc, voilà. Donc, faites de petites actions, simples, mais faites-les tous les jours avec régularité. Donc, c'était le message que je voulais vous faire passer ce soir. Et je vous souhaite une très bonne nuit. À bientôt. Bye bye.